نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح Écoute-nous. Nous ne pouvons plus repousser l'échéance maintenant. Je t'ai dit des milliers de fois qu'on doit parler, mais tu repousses sans cesse le moment. Je t'attends depuis que tu sois dispo. Depuis que je suis rentré de voyage. D'abord, ça a commencé avec Mira. Elle est bien qu'il y a Salama et son retrait. La compagnie tombe en ruine. Et les gens jasent et disent que tu veux mettre Mira comme partenaire. En Égypte et maintenant on a Maria. Bon, ça suffit. Je ne peux plus attendre comme ça. Qu'as-tu ? Ça va ? S'il te plaît, ne parlons pas de ces problèmes maintenant. Dis-moi, qu'y a-t-il, Nour ? Annie, sois franc avec moi. Est-ce que je suis bête ? Mais que dis-tu ? Nour, je ne peux vraiment pas me mettre à ta place. Parce que nous pensons tous deux différemment. Je veux dire que moi j'ai une relation avec une seule femme, je la respecte totalement, pour ne pas être dans une telle situation. Je ne sais pas quoi te dire. Et de plus, en aucune situation, je ne donnerais la moitié de ma fortune à une femme, même si elle était mon épouse. Tu t'es mis dans le pétrin toi-même, Nour, toi-même. Et honnêtement, tu peux me dire, que manque-t-il à Maria ? Que lui manque-t-il pour que tu tombes amoureux d'une autre ? Écoute-moi bien, Annie. S'il te plaît, cesse de faire semblant d'être un ange honnête et moralisateur. Peux-tu m'expliquer, mon cher Annie, pourquoi tu as mis dans ta chambre un grand tableau qu'une certaine Mademoiselle Yusra t'a donné, hein ? Réponds-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé comme histoire dramatique lorsque tu étais en voyage en Égypte avec Massa. Mais j'ai pu quand même tout arranger. Pour tout arranger. Si cette fille avait décidé de te pourrir la vie, elle l'aurait déjà fait quand même. Dans ce cas, tu devrais m'enseigner comment tout arranger. Juste un tableau. Juste un tableau dont tu ne sais pas comment te débarrasser. En fait, elles viennent juste de partir. Elles sont vraiment gentilles, vraiment amicales. Qu'est-ce qu'il y a, Massa ? Hanlin ne t'a pas encore parlé du tableau que je lui ai envoyé ? Comment ?
Oui, mais c'est un peu bizarre. Es-tu en colère contre moi à cause de cette nature, dis-moi? Crois-moi, je ne pense ni à Annie ni à personne. Pas à qui que ce soit. D'accord. Je ne ferai rien sans d'abord te le dire. C'est bon? Je ne sais pas. Si je vais encore voyager ou pas. Mais probablement que si. Oui, Massa. J'ai un appel entrant, c'est urgent. Je vais te rappeler, excuse-moi pour ça. Oui. Oui. Au revoir. Allô, Annie? Tu vas bien? Est-ce que je te dérange? Dis-moi. Non, pas du tout. Ça ne fait rien si tu me déranges. Mais c'est un peu bizarre que tu m'appelles, non? Pourquoi m'appelles-tu donc? Non, c'est pas pour grand-chose. Je voulais encore te dire merci. Le message n'était pas assez. C'est juste pour ça? Oui, et comment y vont tes parents? Eh bien, ma mère va très bien. Elle voyage. Peut-être vais-je la rejoindre? J'en sais rien. Tu veux retourner là-bas? Parfois oui, parfois non. Je ne sais vraiment plus ce que je veux. Et toi alors? Je suis comme toi. Je suis très confus actuellement. T'es sérieux, Annie? Tu es comme moi, oui. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Bien sûr qu'elle sera là, sur son lieu de travail. Je n'oublierai pas cette faveur. C'est comme tu dis, cette nouvelle génération n'apprécie pas la valeur des choses. Et je te souhaite toute la chance du monde. Mais c'est un grand honneur pour nous, je n'oublierai pas cette faveur, promis. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain. D'accord. Oui, au revoir. Monsieur Riyad, désolé de mon intrusion. C'est une bonne nouvelle apparemment. Puis-je savoir ce que c'est? Malak, avec beaucoup de pourparlers et de flatterie, j'ai pu trouver un poste pour cette demoiselle dans un 5 étoiles. Oui. J'espère que cette fois, elle ne nous embarrassera pas comme la dernière fois. La dernière fois, ce n'était pas de ma faute, maman, d'accord? Sans aucun doute, tu auras ta place dans cet hôtel, mais tu dois tout d'abord suivre un cours. Tu vas donc suivre une formation d'un mois dans une école, d'accord? Ensuite, tu commenceras ton stage à l'hôtel. Une école? Espérons qu'ils t'accepteront, ma fille. Mais attendez. Vous voulez que je retourne dans une école? Vous voulez que j'y retourne? Maintenant que je suis mariée? Non, oubliez ça. Qu'est-ce qui cloche avec l'école, ma fille? C'est pas mieux que de rester à ne rien faire à la maison, hein? Écoute, ma fille, sois raisonnable. Est-ce que c'est possible? De refuser un diplôme et un emploi? C'est pas mieux que de rester une perdante comme ton cher mari? Il n'a pas de profession spécifique et en plus, ils se servent de lui comme d'un garçon de service. Tu ne le vois pas? Maman, pourquoi tu mets le maillard à ça? Juste parce qu'on vit dans ta maison, tu penses pouvoir nous insulter? Cela n'est pas du tout acceptable, crois-moi. Écoute, maman, ni papa ni toi êtes des personnes diplômées. Vous n'avez pas une grande éducation, mais vous vivez dans une grande villa. Hé! Tu es une fille impolie qui n'a aucune valeur morale. C'est mieux pour toi de quitter cette maison, insolente. C'est comme ça que tu le prends. N'ayez pas peur, je vais m'en aller. Mais je ne vais pas repartir à l'école. Cette époque-là est finie. Bien finie. Vraiment finie. Va-t'en! Annie, est-ce que tu me crois quand je te dis que je n'ai plus d'ancrage nulle part? Je me demande souvent pourquoi. Je suis venue, je ne sais plus ce que je veux faire. Repartir, mourir ou quoi? Je ne sais vraiment plus où j'en suis, crois-moi. Mais peu importe. Ça ne me fait rien. Mais dis-moi, tu aimes le tableau? Vraiment trop. Je l'adore, si tu savais. Pour être honnête, je ne savais pas que tu savais bien s'y dessiner. C'est quoi le détail que tu as préféré? Au fait, j'aime tout le tableau. Si tu veux des détails, ce sont en fait
les souvenirs. Au fait, quand nous deux nous étions... Nous étions... comme décrit dans ce tableau. Comme nous sommes... Demande-le à toi-même, Rani. Quelle nouvelle de ton vernissage? D'un côté, c'était bien. Et d'un autre côté, c'était vraiment horrible. Le plus important, c'est que tu aies aimé. Tu as l'air de ne pas être au courant. Tes tantes ne t'ont pas dit ce qui s'est passé? Personne ne m'a rien dit. Salama. Salama m'a escroqué, Hani. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Comment tu peux t'être laissé escroquer? C'est de ta faute parce que tu t'es fait accompagner par ce sale type depuis le début. Ah. Je suis donc devenue la coupable maintenant, c'est bien ça? Tout à fait. C'est parce que tu l'as laissé se rapprocher de toi. Ce n'est pas la vraie raison, Rani. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Salama a commencé par m'appeler et a commencé à me persuader en me disant que je n'étais pas populaire et que j'avais besoin d'un agent. Il disait connaître tout le monde ici. Tomber d'accord pour qu'il me représente et donner une part de mes profits. Plusieurs personnes sont venues et ont admiré tous mes tableaux, mais aucune n'a acheté quoi que ce soit. Pas une seule de mes peintures a été vendue. Tu sais pourquoi? J'ai découvert qu'il avait augmenté le prix des tableaux pour nuire à la réputation du vernissage. Et par la suite? Ensuite, il a pris tous mes tableaux en me disant qu'il voulait les faire imprimer dans un catalogue. Puis il a dit vouloir les produire dans des expositions à l'étranger. Yusra, je n'arrive pas à te croire. Tu agis comme une jeune fille qui n'a aucune idée de l'escroquerie. C'est exactement ce qui s'est passé, Hani. C'est ça. Toutes les peintures que j'ai faites, vieilles ou nouvelles, se sont d'un coup évanouies dans la nature. Même mes peintures que j'ai rapportées de l'étranger. C'est comme si je ne les avais jamais peintes. Je n'ai plus d'autre tableau sauf celui que je t'ai envoyé. Garde-le en souvenir. Il est pour toi, Hani. J'ai l'impression que tu le mérites beaucoup plus que moi. Tu as vu. À quel point tu es cher à mon cœur, Hani. Tu t'es plainte à la police? J'ai fait tout ce qu'il faut. Mais je suis sûre que je n'en trouverai plus jamais mes œuvres. C'est perdu, Hani. Non, rien n'est perdu. Cela n'est pas acceptable. Mais tu acceptes ce que Salama t'a fait. Ce sale type t'a aussi escroqué, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait pour y remédier, Hani? Je serais malhonnête si je ne te disais pas que je suis content que tu sois de retour au travail. C'est mort sans toi. Tu sais, en dépit de toutes les choses énervantes que Shadi a fait, c'est bien que les choses ne s'améliorent pas entre lui et moi. Mais nous sommes toujours ensemble et encore mieux qu'avant. Qu'est-ce qui devrait aller mal? Il n'y a rien entre nous pour l'empirer. D'accord. Comme il te plaira. Va et dis à Shadi de venir me voir. Vas-y. Tu répondais pas, je m'inquiétais. Il n'y a rien, je suis juste nerveux. C'était pour quelque chose d'urgent. Ça va, mon chéri? Ce n'est rien, juste des problèmes au travail avec mes frères. Tu es sûr? Puisque je te dis qu'il n'y a rien, pourquoi tu t'inquiètes? Laisse-moi me calmer un peu, Massa, je suis irrité. Quand je serai calme, je vais te rappeler. Ta colère n'est donc pas
À cause du tableau, dis-moi. Quel tableau? Je ne comprends pas. Le tableau dans ta chambre. Est-ce que tu veux éviter le sujet, Annie? Pourquoi tu me le caches? Pourquoi? Pourquoi me caches-tu ça? Tu trouves ça bien d'être si bizarre et de me mentir à ce sujet? Même si je suis au courant de tout? Admets-le, voyons. L'admettre, mais pourquoi? Tu sembles être au courant de tout. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais reçu ce tableau? J'ai attendu tous les jours que tu me dises que tu l'avais. Je t'ai donné une chance tous les jours. Mais toi, tu ne m'as jamais rien dit, pensant que je suis bête et que je ne le saurais pas. Massa, Massa, tu n'as rien deviné du tout. Il y a quelqu'un ici qui a tout révélé. Et je peux te jurer, sur ma mère, que je saurai qui c'est parce que c'est un secret. Au fait, j'attendais le bon moment pour te dire. Parce que je te connais bien, tu vas exagérer toute cette affaire. Bravo! Maintenant, c'est moi qui suis la fautive. Je ne voulais pas dire ça en mal, pas du tout. Mais je savais que ce sujet allait te perturber. Zut. En fait, j'avais peur. C'est vrai, peur que tu exagères la portée de cette affaire. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Non, mais tu n'as pas honte de me dire ça? Mais c'est honteux. Très bien, Hani. Comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu voudras. C'est ta décision de créer cette distance entre nous. Au revoir. Que puis-je faire pour toi? Pourquoi veux-tu m'humilier? Pourquoi tu ne m'appelles pas par toi-même? Je te demande de m'excuser, alors reçois-les. Alors pourquoi tu ne prendrais pas ma place, tiens? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Parce que c'est moi le patron ici, et je peux faire tout ce que je veux, Shadi. Mais moi je ne t'ai rien fait pour que tu t'adresses à moi de cette façon. Tu n'es qu'un travailleur pour moi, Shadi. Un peu de respect et c'est à qui tu es en train de parler, là. Compris? Et que ferais-tu si jamais je ne comprends pas? Est-ce que tu vas me frapper? Oui, je peux! Tu ne peux pas! Tu es un lâche, un homme déshonorable! Tu ne sais qu'abandonner ta famille et nier tes origines. Ah, c'est joli. Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Toi, l'homme pauvre, c'est toi qui viens me faire la morale maintenant. Morale? Tu n'as aucun principe. Toi et toutes ces personnes que tu dis sont ta vraie famille. Vous êtes tous des immoraux. Écoute-moi bien. Si jamais tu insultes le nom de ma famille encore une fois, tu me le paieras très cher, pigé? Sois heureux que nous t'autorisons encore à bosser ici. Ne crois surtout pas que tu pourras m'insulter avec des quelques sous que tu me donnes pour travailler ici. Toi et tes frères, vous travaillez ici. Comme moi. D'accord, c'est bon. C'est bon, disparais. Allez, hors de ma vue avant que je ne fasse une chose que je pourrais regretter et toi en souffrir. Allez, va-t'en. Dégarpis! Désolant. T'es qu'un pauvre type. Et tu penses vraiment que tu peux porter sur toi l'honneur de la famille Noah? C'est ta fortune. Sinon, ce serait moi à ta place et je te licencierais. Très bien, allez. Allez, disparais. Allez, va-t'en, allez. Tu es viré. Surtout, ne reviens jamais ici. Parce que si tu reviens, Shadi, je te casserai les jambes, compris? Va-t'en. Comment vas-tu, Annie? Je vais bien, mon chéri. Oui, je vais bien grâce au Très-Haut. Ta voix est bizarre. Non, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que quelque chose ne va pas? Quoi? Non, pas du tout. Vraiment, mon chéri, je ne savais pas du tout que tu ne le savais pas. Chut. Tu m'as dit de ne plus jamais te parler de lui. Alors comment j'aurais pu t'en parler? Écoute, tu sais que c'est un escroc. Qu'est-ce que tu gagnerais à lui parler? Et comment tu l'as su, dis-moi? D'accord, mais dis-moi comment. Hein? Mais tu ne parles pas à Yousra, alors comment tu sais? Passe-le-moi. Annie, mon fils, crois-moi, on voulait te le dire. Mais nous ne savions pas vraiment comment le faire, mon chéri. Excuse-moi, mon chéri. Nous aurions dû t'en parler. Mais on se doutait que Salama est un véritable escroc, tu vois. Que c'est triste. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, hein? Ce qui s'est passé s'est déjà produit. C'est malheureux. Que Dieu vous vienne en aide tous les deux.
Ta tante et moi prierons pour toi. Je suis certaine que tout va s'arranger. Au revoir. C'est vraiment terrible. Je ne sais plus quoi faire. Ah, Jane, mais qu'as-tu ? Il voulait seulement être gentil avec toi pour que vous ayez de meilleures relations fraternelles. Il n'y a rien d'autre. Ne mets pas plus en colère. Arrête un peu de défendre un mauvais gars comme lui. Shadi n'est pas un méchant gars, il essayait seulement d'être gentil pour améliorer vos relations. Pourtant, toi, tu t'es fâché contre lui. Arrête cette attitude arrogante, Majid, et regarde-toi en face. Tu crois vraiment que j'attends ton avis pour savoir comment je devrais gérer les gens comme lui? Ce n'est pas ça. T'es devenu un être égoïste qui ne se soucie de personne, même quand ces personnes essaient de l'aider, oui. Ne te mêle pas de ça, Naya. Ce ne sont pas tes affaires, compris? Vas-y, va travailler. Tu dis vrai. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne m'inquiéterai pas pour un homme qui pense que tout le monde est son esclave et qui s'adresse aux gens n'importe comment quand il veut. Tu devrais avoir honte. Je te croyais différent. Au revoir. C'est dur pour moi de signer ta démission, Shadi. Tu es devenu l'un de nous et nous t'aimons beaucoup, tu sais. Nous sommes très heureux de ton travail. Tu as fait un travail fantastique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun d'entre nous a ses propres problèmes, ses propres soucis. C'est dur aussi pour moi, Monsieur Nour, mais je ne peux plus rien faire. J'en peux plus. Je ne peux plus supporter davantage. C'est vrai. Et je ne sais pas quoi dire. Pas la peine de dire quelque chose. Veuillez juste, s'il vous plaît, demander au comptable de me donner les papiers. Parce que j'allais partir sans venir vous rencontrer, mais il m'a dit que vous vouliez me voir. Je vous remercie pour tout, mais c'était devenu très dur de rester ici. Madge, lui, ne supporte plus de me voir, et je supporte pas l'idée que mon frère me traite de cette manière avec tant de mépris. Vous comprenez? Je veux dire, mettez-vous à ma place, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Madge refuse de reconnaître sa famille. C'est vrai, je sais que nous sommes des gens pauvres, mais de là où je viens, on apprend à respecter son grand frère. Mais cela n'arrive pas avec lui, alors. C'est mieux que je parte, sans faire de drame. Et ce serait mieux que je parte maintenant pour éviter les soucis. C'est le mieux pour tous. Je ne suis pas venu d'Égypte pour causer des soucis à mon frère, mais apparemment il pense que je ne suis pas digne de lui. Dis au comptable de venir. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est pour toi. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, Monsieur Nour. D'accord, Shadi. Prends soin de toi. Merci. Encore une fois pour votre bonté. Non, merci à toi. Au revoir. Content de te voir. Eh, bonsoir. Bonsoir. Je voulais seulement vous dire des choses. Méfiez-vous de lui. Et deuxièmement... Voici votre thé. Donnez l'argent tous les jours à Saïd. C'est compris? Tous les jours. Si quelqu'un est en retard du paiement et s'excuse, sachez que je ne vais pas l'accepter du tout. Pas du tout. Et maintenant, tous les deux, à vous de voir si ces excuses de la part du débiteur vont vous faire céder et si vous l'accepterez. Mais il vaut mieux que vous sachiez clairement que moi, je n'accepterai pas. Je n'ai pas l'habitude d'accepter des excuses bancales. Non. Allez-y, vous pouvez boire votre thé maintenant. Non, finalement. Allez bosser, il n'y a plus de thé. Content de te voir. Que veux-tu savoir sur le salaire? Tu le feras vraiment? C'est très simple, je vais le calculer un peu plus tard. Tu es sûr? Tu es sûr? Je vous assure que je le ferai plus tard. Oui, promis, promis. Bon, oui, je vais le faire. Dis. Comptez sur moi, mon oncle. Hey, Shadi, ça va? Eh ben, ça va, Shadi, pourquoi tu fais cette tête?
C'est parce que je suis très fâché, Karam, énervé. Pourquoi ? J'ai quitté mon poste. Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est ce qui devait arriver. S'il voulait vraiment devenir un homme indépendant tout comme toi, Karam, il lui fallait quitter son travail. Shadi, t'as quitté ton boulot ou alors ils t'ont renvoyé ? Je te jure que je suis parti. Mais il aurait pu me licencier n'importe quand. Madge a l'intention de me faire du mal, je te le dis. Qui ? Madge ? C'est le plus gentil de tous les frères. Mais arrête de dire ça, Karam. Aucun des fils de Noah n'est ni bon ni gentil. Ils sont tous méprisables. L'homme que tu crois gentil est un malade. C'est un homme compliqué. Dis-nous ce qui est arrivé. Oh non, dis-le à Karam. Je ne veux rien savoir de la famille Noah. Je vous en prie. Attendez juste une minute, je voudrais vous demander quelque chose. Vous savez que pour moi, vous êtes comme mon père et que Karam, lui, il est comme mon frère. Mais sans votre aide, je vais me retrouver à vivre dans les rues. Je ne suis pas en train de plaisanter alors. Laissez-moi au moins une chance de travailler pour vous. Je peux nettoyer les tables, je n'ai aucun souci avec ça, je peux même faire les courses sans problème. Je peux tout faire pour avoir un salaire qui me permettrait de louer une petite chambre jusqu'à ce que je trouve un travail qui me permette de me loger décemment. S'il vous plaît, cela m'aiderait énormément. S'il vous plaît. Non mais écoute un peu ce garçon. Tu es fou, mais bien sûr que nous allons t'aider. Dis-moi Karam, On n'a pas besoin d'un gars pour la maintenance au resto. Oui, bien sûr. Bah ouais. Alors c'est bon, c'est réglé. Tu vas prendre en charge la maintenance de cet endroit. Quoi ? C'est vrai ? Bien sûr. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je vous remercie mille fois, je vous suis très reconnaissant, Dieu vous bénisse. Je suis bien content. Bien sûr, je t'en prie, et maintenant nous allons fêter ça. Marina, s'il te plaît. Tu peux lui apporter du jus d'orange pour qu'il soit calme et détendu ? Oui, s'il te plaît, merci bien Marina. Tu peux remercier Marina. Si elle ne lui donne pas ce jus sur tous les toits, il va crier Marina. Mets-toi debout, on sort. Tu ne peux pas passer toute ta journée assise dans la maison. Sarah, s'il te plaît, laisse-moi, je ne suis pas d'humeur pour sortir. Arrête de faire ça, on sort. Moi, je veux qu'on sorte un peu de cette maison. Je ne veux pas, je ne suis pas d'humeur pour ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout, je veux juste être seule en ce moment. Lève-toi et allons-y. Et où veux-tu aller ? Une surprise. Non, je ne fais surtout pas de surprise, car je ne veux pas voir Annie. Tu peux me dire pour quelle raison ? On est fâchés, on se parle pas. Une dispute, mais pourquoi ? Parce qu'il est en train de me cacher des choses. Et comme quoi, par exemple ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ? Oui. Les filles, comment vous me trouvez ? Quoi, tu ne vas pas te préparer ? Tu as l'air vraiment magnifique. Vous êtes très belle. Mais faut faire vite, ma chérie. D'accord, je viens. Dépêche-toi. D'accord. Allez, on t'attend, hein. Oh là là, Shadi. Patron. Ouais, patron. Il n'y a plus d'électricité. Tu es le responsable. Il n'est pas coupé, je l'ai éteint. Tu as tout éteint ? Ce n'est pas le moment. Oui, j'ai éteint toutes les lumières à l'instant. Ce n'est pas le moment, on a des clients. Fais rallumer. Excusez-nous tout le monde, on rallume joyeux tout de suite. On va tout rallumer. Joyeux anniversaire. Quelle surprise. C'est vraiment une surprise, merci beaucoup. Je vous remercie. Mon oncle, Samar et là, ne gâchent pas la soirée, d'accord ? Est-ce que c'est compris ? Papa, joyeux anniversaire. Je t'aime tellement, attends, mes meilleurs vœux. Merci, ma chérie. Et joyeux anniversaire, Afik. Merci, j'apprécie. Mon oncle, c'est Tante Samar qui nous a rappelé votre anniversaire. Ah, vraiment. Merci. Bon anniversaire, mon ami. Puisses-tu rester éternellement jeune tous les jours de ta vie. Merci, Riyad. Je t'en prie. Tous mes vœux. Merci, Maillard. J'ai apporté le gâteau, hein. Ah, vraiment. Asseyez-vous. Joyeux anniversaire, Rafik. Merci, je suis touché de vos vœux. Merci. Joyeux anniversaire. Je vais m'en occuper.
ne sois pas offensé. Je veux seulement qu'il me laisse tranquille et je ne veux plus jamais le voir ici, Nour. Un point, c'est tout. Alors c'est ça. Est-ce que tu veux lui refuser ses droits fraternels, l'ignorer complètement? Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si j'ai soudain un frère qui a surgi de nulle part. Et as-tu jamais pensé, mon frère, que tu avais des jeunes familles et pourrais les voir? C'est vrai que c'est à toi de prendre cette décision et... tu la gères comme tu veux, mais... agir comme si tu n'avais rien... ce n'est pas... très mature. Et c'est très infantile. Je sais très bien qui je suis, mon frère. Personne ne peut me juger sur la manière dont je traite ce sale type et je ne lui permettrai jamais de ruiner ma vie. Je ne vais pas me laisser exploiter pour qu'il me vole ma fortune, compris? Je sais... parfaitement ce que je suis en train de faire. Je vois clairement dans son jeu. Depuis quand t'es comme ça? Hein? C'est la dernière chose que je pensais que tu ferais. Depuis quand penses-tu qu'on est mieux que les autres? Tu n'es pas mieux que celui qui travaille pour toi. Mais qui crois-tu donc que nous sommes? Nous sommes un groupe d'enfants qui sont devenus riches par accident. Toi et moi. Je suis seulement fils adoptif parmi nous cinq. C'est par chance, alors arrête d'agir ainsi. Ne te prends pas pour un être supérieur. Ah, pardonne-moi. Mais laisse-moi t'expliquer. Non, ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien, Majin. Tu te dois d'être mûr et généreux. Tu dis lui témoigner du respect parce qu'il est ton grand frère. Que ta vie est meilleure, et que dans ta vie, Majd, tu as eu beaucoup plus de chance que lui n'en a eu. Mais laisse-moi m'expliquer au moins. Pas un mot. Qu'est-ce que Shadi t'a fait? Il veut juste que tu connaisses ta famille. C'est toi qui es responsable de tout. Tu es le seul coupable dans tout ça. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si mes parents sont morts et qu'une autre famille m'a adopté, hein? Est-ce que c'est vraiment de ma faute? Mais oui, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Parce que tu agis encore comme un enfant de Noah qui se croit tout permis, en fait. Et c'est un vrai désastre. Un désastre total. Je ne sais pas vraiment. Tu sais bien comment il est, je veux dire... Enfin, mais qui l'aurait cru, quoi? Regarde-le. Il est heureux, maintenant. Tante Samar est avec lui. Alors, sois patient. Je sais qu'il pourrait pardonner Samar. Mais moi, il ne me pardonnera jamais. Moi, je crois que tu le juges trop durement, papa. Sois patient avec lui. Samar, je suis... venu ici te dire merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. بترسم صور تايفين